Recherche de fuite sans casse non destructive. Aucune fuite sur le réseau d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude de la salle de bain de la baignoire. Ça a été vérifié. Et... Au niveau de la guêpe, pareil. On voit bien là. Par contre, intervention d'un plombier qui a tout cassé à ce niveau-là pour chercher la fuite. Il s'avère, à mon arrivée, le réseau était déconnecté, effectivement ça fuyait pas, mais une fois reconnecté et réseau vérifié, différents procédés, pas de fuite quand même sur le réseau. Par contre, au moment où il a dû dévisser le raccord, qui était enterré, en dessous de la chape, en fait ça fuyait au niveau du joint de ce raccord-là. Et au moment où il a enlevé le tuyau, et à l'intérieur de la gaine, il y avait bien de l'eau. Il a commencé à arracher le tuyau, pensant que la fuite était encore plus loin. Et continuer, 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 jusqu'au moment où il a dit j'arrête. Le client a demandé à faire intervenir une société de recherche. Et fuite causée à cause d'un joint à la base qui a bien sûr mouillé l'ensemble de l'habitation ici.